Salut les gens, la 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 la. Attends, attends, attends. 1, 2, 3. Ah non, non, on n'est pas du tout ensemble. On va se regarder. 1, 2, 3. C'était donc c'était ridicule, mais c'était le gif que nous avons reçu sur Twitter de nous en train de danser. Merci à toi, je ne me souviens plus de ton pseudonyme. Calagan, un truc comme ça. Calagan, c'est exact, j'en sais rien. Mais merci, enfin je m'en souviens pas, c'est tout. Désolé. On est parti pour le beat de Xari. Donc il y a Xari à ma droite. On va jouer au quiz up. Vous allez jouer contre lui. Le but étant, enfin contre nous. Le but étant de le battre, de nous battre. C'est lui qui aura les manettes, comme d'habitude, puisque c'est le Xari, c'est lui le Deus. Bah en fait, on s'appelle Alcoolique, donc Al, voir le profil, je crois que vous pouvez nous défier, Alcoolique, voilà, on s'appelle Alcoolique. Exact, on habite au Royaume-Uni. On habite au Royaume-Uni. C'est toi le Alcoolique ? Oui, c'est moi Alcoolique. Lol. C'est drôle ou pas ? Qu'est-ce qui se passe, ma mère ? Le casque 3, je regarde si c'est moi qui l'ai, c'est pas moi qui l'ai, ou alors j'ai un... Si, c'est moi qui l'ai, c'est moi qui l'ai. Ouais, oui c'est le 3, qu'est-ce qui se passe? Le 3 bug pas mal du coup, tape. J'ai actuellement le 6. Le 6. Donc, en gros, vous allez pouvoir, alors on va commencer par nous s'échauffer pour, pendant quelques thèmes. Et après vous pouvez du coup, vous allez dans, par exemple vous allez dans un thème au pif, genre Pokémon Go. Vous faites jouer, et quand vous allez faire jouer, vous pouvez choisir votre adversaire. Et là vous tapez Alcoolique, et vous allez me trouver. Voilà, et vous cliquez là, et vous pouvez me défier. Bon évidemment là je peux pas me défier moi-même évidemment, donc ça, c'est marche, un peu con. Ça marche pas. Mais n'hésitez pas à aller sur QuizUp, c'est un site internet hein, bien sûr. Voilà. Donc là par exemple on peut jouer sur le thème Pokémon Go pour tester, pour voir un peu ce que vous voyez. Et voilà, et vous pouvez faire ça en différé hein, c'est pas grave. Exact, alors donc, tu joues contre OscarMN14 qui est Chunipan. Voilà, et vous pouvez nous suivre, RMTech à la photo de chat, voilà. Il est bon mon Kirapu, ils peuvent venir. Ouais. Bien joué. Ouais, t'as mis 20 points, t'as mis 20 points. Là. 20 points. Alors, c'est en fonction du temps. Donc, plus tu réponds vite, plus t'as de points. Exactement. Pikachu. Oui. Ah, j'ai mis trop de temps. Et dans pareil, t'as mis 19 points de moins. Et lui, il a mis 20. T'as 2 points de moins que lui. Non, c'est pareil. Il a 39. Poussière d'étoile, il devient plus fort. Et boum, il s'est trompé. Rouge égale se tromper. Bon, là, vous voyez pas parce qu'il y a la cam. Est-ce que tu peux décaler la cam un tout petit peu? Un tout petit peu sur la gauche, ouais. Quoi? Ah, vert. Tout petit peu, voilà, comme ça. Et okay. T'es calé un tout petit peu vers t'as la... T'as plus de points que lui quand même. Ah non, ouais. Non, pour qu'on voit en fait la barre à droite, tu vois ce que je veux dire? Voilà, parfait là. Parfait. Il s'est trompé. Donc là on a gagné, bon c'est de la merde, un squeeze évidemment, Pokémon Go, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais... Je le capture, joli c'est 100. Joli 100. Oui. Bien, enfin très bien 200 et excellent. C'est joli 300. Lancé il voulait dire. Ouais. Ton bonus, là c'est les x2 mais j'ai quand même gagné. Bon, attends, il a répondu avant que la pop la question pop. Oui. Bon, après c'est un peu voilà. Donc là j'ai gagné, je suis meilleur. Voilà, GG. Et là je voilà, n'ai pas gagné. Maintenant parce que je suis beaucoup trop fort. Et après on quitte ici. Voilà. Là, c'est à vous de défier. Donc là par exemple vous m'avez défié dans Pixar OSS 117. Go OSS 117 mec. On peut go OSS 117. Ouais, go en vrai go. Mais ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Moi aussi ça fait longtemps que je les ai pas vus. Faudrait que je les remette d'ailleurs. Excellent film. Hein. Je vous les conseille tous. Regardez-les tous. Rio ne répond pas. Etc. Faites-vous plaisir. Le Carnie d'Espion et Rio ne répond pas, il y en a que deux. Oui. Quel style dessus. Des poulets. J'ai failli cliquer là, du coup je me suis rattrapé, mais j'ai perdu un petit point dans la manœuvre. Malheureusement. Dans la manœuvre, malheureusement. Noël Flantier, non? Non, Lucien Bramard. Oui. Et Noël Flantier, c'est dans le deuxième. Ah là 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 là. Ah, il est fort, allez, Shinkai. Il s'y connaît. Le poulet. Allez! Ah, il nous a toujours le point, c'est le petit point de tout à l'heure. Hein. Mais tout peut arriver, messieurs. N'a pas! Ah merde, bah oui. Ouais, il mec, c'est pas. Ça. Ouais, mais celui-là non plus, il n'existe pas. Tu vois, ça, c'est un les anciens, tu vois. Oui. Mais j'avais pas la réponse. J'en sais rien. J'ai mis au pif pour essayer de pas perdre de points, mais là, on a perdu là. Il est trop fort, mec. J'en sais rien mec, j'ai regardé le film, ok je l'ai vu deux fois, ouais, mais quand moi même aussi, quoi. Alors lui c'est dans ça, ouais, mais trop tard. Okay. Bon il est trop fort pour nous Shinkai en je tout cas. Ah, oui, lui, il est très chaud, alors là très le truc en plus qui est infâme c'est que vous pouvez nous défier sur vos thèmes à vous. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas forcément mon thème à moi, hein, clairement pas. Vas-y go donc, j'adore ouais, 117 en plus. Culture web. Vas-y. Culture web.
Donc c'est on s'est fait def. Shinkai, il a été trop fort. Shinkai, sur, ça se trouve, ouais, c'est lui qui a créé le quiz aussi. Hein. Ouais, ça se trouve. Il a tout fait, genre. Quoi? Ah oui, d'accord, c'est juste que ça a bugué. Je crois qu'il avait répondu. C'était quoi le thème? C'était Culture Web. Ok. Culture Web, IM. Internet même, non? Bah, c'est non, Instant non. Message. IMQ, Instant Message Query. Ah, bah oui. Ah, on est con. Bon, c'est pas grave. Et il a pas eu faux, il a pas eu. Et t'es gonna hate. Et t'es gonna lose. Ok, on est quand même devant, on est quand même devant. Non, en fait, c'est pas. Ouais, on est devant largement, parce qu'il a répondu plus tard que nous. Chakelbat. Ouais, ça doit être lui. Non, ça doit être Islamic Rage Boy alors. Je sais même pas qui c'est l'Islamic Rage Boy. Mais ça paraissait assez logique. Oui, mais bon, on est con. C'était lui ou l'autre? Le hashtag. Hashtag. T'as, là, il a des points en plus, mais s'il répond faux une question, on peut le rattraper. Ok. Putain, mais ferme ta chatte. Pense à l'islam, je pense. Ah merde, il a trouvé. Aïe. La dernière question, on peut le battre là-dessus. Ah, hypertexte. Et j'ai vu ça, le hybride, et il l'a pas trouvé, donc on a... Oh, il a trouvé. Il l'a mis. C'est hypertexte markup language. Oui, je sais, mais j'ai vu le hyper... Encore, mec. On a pour l'instant avec des loos. Oh non, hein. Photo de Dijon. ça va être impossible, mec, ça fait trop longtemps, tu sais, que j'ai pas joué à ça. Le dab arrive dans FIFA 17. Le dab arrive dans FIFA 17. Alors, où sommes-nous? Rue Jeanne. C'est marqué Rue Jeanne, oui. Donc. Ça, c'est un bon quiz, ça. Ouais, gagné. Ouais. Zary Faker, il s'est appelé. Le mec, il a full partie, à vrai. Alors, Kaamelott, c'est pas facile. Kaamelott, on peut le faire. J'adore, mais moi, j'aurais. Game of Thrones, je le ferai pas, malheureusement, parce que je n'ai pas vu la série, donc je peux pas le faire. Ça mec, sert à rien. Oui, ça va full spoil en plus. C'est Useless, oui, en plus, ça se peut. Tin, Perceval. Tin. Alors ça, c'est le Fort Boyard. C'est Fort Boyard. Mais c'est pas grave, j'avais envie. Merde, j'ai quitté, il a dit dans le chat. Ferme ta gueule. Ça doit être un book. Petit book. Mec, ok, je l'avais pas. Ferme ta gueule, c'est un petit book. Ferme ta gueule. Attention, le roi. Perceval. Perceval qui a une excellente destinée. On gagne pour l'instant, on gagne. Là, on a juste à faire que des bonnes réponses, il ne nous rattrapera jamais. Bord de. Seigneur d'Aquitaine, j'en sais rien. Bord de Vannes. De Gaune. Non, c'est Caradoc de Vannes. Putain, je suis un énorme fils de pute. Pardon. Ils sont cousins. Et ils sont beaux-frères. NTM. Oui. Et Ghost, oui. Walking Dead. Ça fait trop longtemps, mec. Mec, c'est un quiz de Walking Dead. Laisse-moi tenter, mec, s'il te plaît. Bah, si tu veux. Hein. Mais moi, je peux pas t'aider, quoi. T'inquiète, mec. Manus Macrimus Firmus. Bah, de Macédoine. On a gagné. Bien première joué. Victoire ici. Non, deuxième victoire. On a gagné en Pokémon Go aussi. Si t'as un trou, mec, je suis le deuxième cerveau, je tente. Alors, tu veux faire quoi? Il y a Stranger Things. Go tenter Stranger Things, le truc au-dessus. Vas-y, mec. Jamais. Mais ça va spoil, non? J'en sais rien, mec. Je pense que ça va spoil. Hein. Mec, si tu vas pas comprendre, je pense. Oui, mais pas moi, mais. Moi, je m'en fous, tu vois, du spoil, mais. La ville de Dijon, il y a un mec qui a continué. Alors, qui est la maison où se déroule? Ah, c'est tout simplement, c'est Steve, quoi. En vrai oui. Eh oui, je le savais, gros. Ça, c'était pas facile parce que putain, il faut se souvenir des personnages, quoi. Bah, c'est Steve, quoi. Classico. Bah, un cerf. C'est un élan, je crois. Non, c'était un cerf. C'était l'un ou l'autre. Ils se ressemblent un peu, les deux animaux. Ouais, mais c'est pour ça que je t'ai dit un cerf. Je le savais. Ah, putain, comment Jonathan, il s'appelle, Jonathan, le gamin Jonathan. Non, c'est pas ça. C'est 11. Mais oui, 11, c'est le. Putain. J'en sais rien, mec, j'ai jamais vu la souris. Je me souvenais pas du truc, attends, on se parle. T'as déjà, on sait qu'il y a une meuf qui s'appelle Elf qui utilise la télékinésie, oui. Donc c'est pas du spoil en tout cas. Non. Putain, j'ai été nul à chier, je suis désolé. Canon. Wow, mec. Kodak. J'en ai aucune idée, ça va rentrer. C'était un pentax, mec. Ça va rentrer, mec, j'en avais aucune idée. J'étais nul à chier avant, mais. J'ai coupé le son, mais le spoil me brûle les yeux. Oh, les perruques de ça. Attends.
C'était des perriques de cheveux blancs. C'était soit les cheveux blancs, soit la boîte de gaufres. Tu peux encore le battre si tu fais 40. Non, non, j'arriverai pas. Il a été meilleur. Non, mais tu peux le battre là. Clique au pif. Quand tu sais pas, mec, c'est en vrai, c'est trop dur. Tu cliques instant au pif et tu t'as... Parce que j'ai vu la série et je suis en mode, mec, les questions sont trop précises de moi. Mais oui, c'est infâme. Mais tu sais que moi, je suis. Genre, honnêtement, sur Friends, et pourtant, je me débrouille. J'adore la série. Hein. Tu vois, sur Friends, je me débrouille. Genre, je l'ai pris en Eclipse à famille, j'avais 11 réponses sur 12 et tout. Ouais. Et là, je me fais enculer. Alors, trouver le Pokémon. On peut faire ça, ça peut être marrant une fois, trouver le Pokémon, puisque je pense que c'est les premiers. Qui est ce Pokémon ? Alors, Rio 2016, putain. C'est bien parce qu'il y a plein de thèmes différents. Alors, oh merde, c'est tout. Bah oui, je sais tout, mais c'est juste que t'as genre tellement peu de temps pour répondre en fait. Et puis après, bon, je sais tout. Mec, c'est pas que les premiers. Là, j'ai trouvé, mais c'est chaud quoi. Ah, c'est Electsprint ça. Electsprint. On est devant Thomas Froidcourt. Mec, tu les connais les Pokémon toi ? Non, je suis nul à chier en Pokémon moi. Je suis zéro. T'es Nénuphar machin. Oh, c'est l'ombre. Ah mais il s'est trompé aussi, c'est bon, on est toujours devant, mat facile, ça c'est piégeux. Ouais. Sors bouboule. Et c'est un sorbet avec deux boules, donc sors bouboule, hein. Vraiment c'est de la merde. Hein. J'ai jamais vu dans le jeu, mais je... Faramp. Ah ouais, niveau Pokémon... Ah, si tu connais pas, t'es pas bien. Ah non, je... Moi je connais pas tout Pokémon, tous, en vrai. Donc, Diak, Ah, c'était Reshiram, c'était soit l'un des... Je sais pas, je connais pas. Ah, on va perdre là-dessus, on va perdre sur Reshiram. Ah, c'est terrible, hein. Et merde, c'était Motistama, ouais, nique ta mère. Allez, bien joué. Il n'y en a pas eu un seul de la première génération. Bien joué à toi, t'as été meilleur. On s'est fait rouler dessus. Oh là là. Rio 2016, on tente un peu les sujets qui sont différents. Ah bah vas-y, hein, mais là, mec, je peux pas t'aider, quoi. Genre, je peux t'aider quasiment sur aucun sujet. Hein. Si je pense, tu peux m'aider. Il y en a un ou deux, tu vois. Genre, ça se trouve, c'est des questions easy, ce fuck. Ah bah oui. Usain Bolt. Oui, il est là en mode bande de bolos. Et ouais les gars. Bah après c'est la première tu vois. Ouais c'est la première mais c'est pas par ordre de difficulté, t'inquiète. Je ne sais pas. La Guyane. Qu'est-ce que ça fout là? Parce que c'est collé au Venezuela, c'est tout quoi. Ce que vous avez dit. Mec poker après. Ah putain je voulais cliquer dessus mais ça va, j'ai quand même perdu qu'un point, il a pas trouvé. Mais oui, la Chine. Mec, t'es trop chaud. En vrai, t'es trop chaud. L'Espagne, mon pote. Parce que là, j'ai rien, moi. Oh là là. 3 joueurs de plus de 23 ans. C'est pour ça qu'il y avait que Neymar. Il y avait Neymar dans l'équipe du Brésil. Parce qu'il a plus de 23 ans. Corée du Sud. Et voilà mon gars, on a gagné. Mec, il a full faux Thomas la Ferrière. On a full bolos mec. Logo d'appli, ça c'est marrant ça. Bah Phelps. Donc les États-Unis. Bien joué. On l'a roulé dessus. Il est tellement chaud, j'étais tellement pas dedans moi. T'étais le meilleur. Est-ce que t'as pas envie de faire les logos d'appli? On va tenter. Algérie, on va peut-être pas le faire, hein, les gars, parce qu'on y connaît rien. Bah, on est de la chier, ouais. Logo d'appli, allez. On va tenter. N'hésitez pas à nous donner des trucs. C'est marrant, ça, parce qu'au moins, vous jouez avec nous, contre nous. Là, ouais. C'est du pur 1v1. On va faire aussi dans la semaine, ou peut-être la semaine prochaine. Renaud Michel, des States. On fera peut-être un 1v100, un 1 contre 100, en faisant un... Alors, par contre... J'ai vu un D, c'était, j'ai fait ouais, ça, D, premier truc avec D, tu cliques. Heureusement que j'ai... En fait, moi, ça va, parce que j'ai une... Tu sais, je lis très vite. Donc, des fois, je me gourre, mais... Wikipédia. Oui. Par contre, ça c'est chiant. Oui, c'est fou. Dictionnaire, c'est marqué. T'sais. Arrêtez c'est... Arrêtez de m'inviter. On va enlever les notifs en fait. B. Bing. Bing, bing, non, bing, badou. Badou, 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 badou. Ça ressemble à Bing en vrai. Hein. Oui, ça, mais le trait est plus long. Et c'est plus violet. Aucune idée. Allez, il l'a pas. Là, il demande à ses potes et à ses parents qui sont derrière. Mais c'était Draw Slosher, évidemment. C'est le mec qui se dit ça alors que c'est pas du tout ça. Ah, apparemment le jeu a bugué. Ah. Eh. Ça c'est vraiment bien. Ah bon bah désolé. Ah bah là les gars on est on part sur un F5 hein. On part sur un... Ah. Voulez-vous un bon année de la partie? Oui. Voilà. Bah, désolé, pas gagné, mec. Gagné, désolé, on a gagné, mec. Hein, on a gagné. Attendez, on va juste enlever les notifs. Je pense qu'on peut les enlever. Je sais pas comment. Bah, dans HAL, colique, paramètres.
Profil. Non, non. Non. Alcoolique, débutant. Général. Ouais. Français. Les mec, c'est pas grave, c'est pas grave. En vrai, c'est pas grave. C'est tant pis. Bon, alors, on continue. Belle. Ah, il faut qu'on ramène tes pouces pour ça. Il nous faut tes pouces, on peut pas. Le slogan publicitaire, ça c'est trop marrant ça. Ça c'est truc marrant ça. C'est genre venez comme vous êtes et tu dois trouver, tu vois. Pouvez-vous lire les questions, donner les réponses pour ceux qui ne peuvent pas vous. Ah ouais, on lira après, du coup. Quelle marque est le slogan actif à l'intérieur et ça se voit Bifidus actif. Activia. Je peux le lire si de tu veux. De quel. Ouais, vas-y. Ça, tu peux lire rapidement. Lis-le et moi je réponds. Ok. Je veux pas une tâche que j'ai. Réponds aussi si tu sais, tu vois. Parce que moi, des fois, je peux ne pas savoir, tu vois. Faut pas non plus déconner, quand même. Il a pas trouvé, par contre. Bon. On était sur un petit Saint-Agur, apparemment. Apparemment, le jeu bug, hein. Donc, on va faire un petit altef. Voilà, erreur de réseau, génial. Oh, dommage, mec. Dommage, je vais lire les réponses, je vais lire les questions. Essaye de refaire ça, parce que c'était marrant. Trouver le drapeau, ça c'est dur de ouf. Ça, Balouz, il est trop fort à ça. Ouais. Il est, tu sais, en France, il est, enfin en Royaume-Uni, il est dans top 5 dans Quiz Up. Ah oui. Il était trop chaud. Ah là, par contre, pour ceux qui trouver peuvent le drapeau, tour 1. Pour ceux qui peuvent que de entendre, quel pays s'agit-il bon avis. Non, c'était Grenade, c'était Barbade. J'ai mis Colombie, alors Colombie c'est le seul qui était connu, donc je suis un gros fils de pute. C'est parti. Philippines. Ah, j'aurais dit Philippines, mais ça ressemble un peu. Eh, hey, c'était Saba, hein. Mec, c'est chaud. C'est chaud que France c'est... Non, pas du tout. Cameroun. Cameroun. Eh ben, Ghana alors. Oui, c'est truc africain ça. J'ai failli dire Jamaïque, hein, quand même. Non, Jamaïque, c'est une croix jaune et verte. Oui. Il l'a trouvé aussi, fils de. Merde. C'est un truc. Vanuatu. Non, c'est Salomon, putain, c'est Salomon, mais oui, en plus, elle est dans l'équipe dans FIFA 97. Ok, je peut-être non, fils de pute. Pardon, il l'a trouvé, putain, fichier. Libertas, Saint-Marin. Saint-Marin, Libertas. Peut-être. Monaco, mec, c'est rouge et jaune. Rouge et blanc. Rouge, blanc. Ok, mec. Easy, easy. Là, on peut gagner, on peut gagner. Non. T'avais une chance sûre de c'était Lutini et Bénin. Les restes, c'était pas ça. Ouais, c'est. Ah, dommage. On a perdu. On s'est fait bolos, hein, comme des bolos. Hein, donc, bien joué à nous. T'as Mass Notif, là. Mass Notif, Batman, faux amis. Attends. On va reprendre depuis le début. Alors, League of Legends, Harry Potter, Sport Général. Il y a The Walking Dead. The Walking Dead, ça va encore spoil, c'est pas ouf, tu vois. Ouais, ouais. La ville. Remarque, il y avait zéro spoil dans Stranger Things. Hein. La ville de Dijon. Ouais, mais c'est pas trop bien les séries, je trouve. Okay. Parce que ceux qui n'ont pas vu, ça, c'est pas. Ah, par contre, ça, c'est marrant. Boisson alcoolisée, mon pote. Non, c'est trop dur, ça. Ah, c'est encore Renaud Michel. Ça va être cocktail et tout, genre, ça va être trop on dur. On va voir. Ça se trouve, on est nul, mais. Mec, tu sais qu'il y a un quiz spécial pour les bières. Juste que pour les bières. Alors. Le riz. À quoi? À partir de quoi fabriquons le saké au Japon? Faut que je lise, pardon, excuse-moi. Le riz. Je vais lire. T'inquiète. Et tour numéro 2. La caipirinha à base d'un rhum de canne nommé cachaça. Cachaça, je sais pas comment on dit, le cocktail national. Évidemment. De quel pays? Du Brésil. Évidemment, c'est cacha. En fait, quand tu l'as prononcé, j'ai vu que c'était. Fabriqué à l'origine avec des grenades, quel sirop rouge est utilisé dans l'élaboration du Shirley Temple et du Tequila Sunrise? Et non, c'était le sirop de grenadine. En fait, j'ai essayé Xari. Je me suis dit que c'était trop facile. Tour numéro 4, c'est à toi de jouer. Quel goût a la liqueur d'amaretto? Le goût d'amande. Putain, mec, c'est ça a bien la gueule d'amande en plus. J'y connais rien. Enfin, tu vois, je quel bois. Quel cocktail était la boisson favorite du Duc, le personnage principal du film culte des années 90, ce Big Lebowski? C'est le sais. Russe blanc. Pourquoi je sais? Parce que j'aime trop le russe, le White Russian. Mais je préfère le Black Russian, mais. Du coup, j'ai regardé comment ça se faisait. En mélangeant du Southern Comfort, du jus de cranberry et du citron vert, on obtient un cocktail inspiré de quel personnage? Scarlett O'Hara. Et après, console un jeu vidéo, on a pas mal de trucs. Poker, on a aussi. On prend un petit poker après. Putain, il est toujours devant. Hein. 90% du vin produit en Amérique provient de quel état? De Californie, c'est exact. Non, il a trouvé, bien joué à lui. Bravo. Renaud Michel qui a gagné ce match. Ah, je me suis gouré sur le Brésil et j'aurais dû gagner. Il y avait une erreur réseau tout à l'heure, donc tu es mythologique. Poker, un petit poker, après on fera un petit personnage de jeu vidéo. Ok, ça me va. Ça t'es fort, ça. Poker en plus, tu sais jouer maintenant. Je sais jouer, toi, t'es un bon, putain. On est contre Yanis Despalin. Oui. Yanis Despalin, quel joueur de poker est connu pour ses célèbres lectures sur l'adversaire? Non, c'était lui, mais j'ai cliqué, mais la souris a fait bugger. Negrenu. Negreanu, oui. Negreanu. Ma souris a choqué. C'est pas ravi, il l'a pas su. Quel champion de poker, ça je ne sais pas. Quel est ce champion de poker? C'est pas lui. Donc c'est soit un des deux là, je vais dire lui. Et non, dommage. Parce que je sais à quoi ressemblent les deux autres, mais voilà. Fromage à moi. Quel est ce joueur de poker? Ah, c'est Rwanda.
C'est Randa, mec. Il a gagné le PT. Non, je te crois. Mec, l'année dernière, il a gagné 100%. Le PT, mec. Il a fou géré. Il était troisième. Il est. Quelle est cette actrice américaine qui est également une très bonne joueuse de poker? Ah, c'était Jennifer Tilly, hein, bien sûr. Yanis Despin qui ne joue pas, apparemment. C'est ma préférée. Ouais, moi aussi. Je l'adore. En quelle année débute l'European Poker Tour, le PT? 2004, Xari, fatale erreur. Oh là là, c'est terrible. Mais c'est terrible. Il joue pas à côté. Tour 6, tour 6, attention, concentre-toi, parce qu'à j'ai le 30 ans, je suis une joueuse de poker confirmée, également coach réputé, je compte 3 titres mondiaux, qui suis-je? Et oui, c'était Vanessa Selbs, bien joué à toi. Exactement. J'avoue que ça, c'est pas très fun, parce qu'en gros, c'est trop dur. X2, qui est surnommé le professeur? J'ai entendu. Il a entendu le souffle. Et je me suis dit non, mais Gus c'est le flambeur. Gus c'est le bolos, il se fait tout le temps bolos. Il a entendu quelqu'un souffler, il a fait. C'est peut-être ça, c'est peut-être ça. Mais... Allez, personnage de jeu vidéo, ça tu devrais être fort et moi pas très fort. Tandis que Alcoolique contre Guillaume Sanchez qui nous vient, qui est ronadien et fier. Je sais pas si t'as remarqué, Alcoolique c'est un jeu de mots. Ronadien, pardon. C'est-à-dire que je suis alcoolique alors qu'en fait tu m'appelles Al et je. Quelle est bah Bowser. Oh mec, t'as failli cliquer sur Bowser quand même. J'ai ripé. Et du coup, j'ai perdu un point. Non, mais vraiment, là, c'est de la grosse merde là, du coup. En fait, c'est nul parce que c'est soit trop dur, soit trop facile, tu vois. Ouais. Là, c'est trop facile, c'est de la grosse. Mais attends, parce que on va peut-être avoir un personnage infâme. Reste pas si catégorique. Voilà, par exemple, ça. Clémentine, The Walking Dead. T'es sûr? Oui. Ok. Bon, on a qu'un point de retard. Ça me paraît pas du tout être le style graphique de Walking Dead. Mais d'accord, il y avait même son prénom dans la question. Ah, ça c'est Felix Wright. J'avais pas la réponse là. C'est un des. Oh, il est devant toi. Non, ah, il non, a perdu. Bon. Et le bolos. Oui, c'est un bolos, c'est le mot. Tandis qu'en tour 5. Aucune idée. The Trick Ghost. Oh, mec, t'es un dieu. Oh, le pif. Il a piffé, ça a marché, les gars. Ciel, les gars. Borderlands 2, ça c'est. Ah oh, oui. Vas-y, Bojack, 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 Bojack. En fait, il est beau, c'est pour ça. Et il s'appelle Jack. Quoi, c'est Bojack. Bojack Horseman. Oh, on perd le casque. Ah. Et c'est gagné. C'est terrible. Tandis attention. Que, question bonus. Il a quitté. Et le jeu a bugué. Il a full quitté. Mais c'est trop bizarre parce que ça buguait pas du tout. Non, mais plus. Il a full quitté 100%. Ah, il a rage quitté. Non, erreur réseau. Mais de toute façon, on avait il gagné. Il a débranché son câble internet. On avait gagné. C'est lui qui est parti. Histoire de France, anglais. Anglais difficile. Vas-y, let's go, man. Anglais difficile, vraiment. Ouais, let's go, man. On fait Eclipsia TV d'abord. Eclipsia TV? Oui. Mec, on est nul sur ça. Mec, ça va être trop dur, putain. Oh non. Quelle est la légende? La légende. T'épouses. T'épouses la légende. T'épouses la légende. Gagné. Voilà. Nice. Ouais. Anglais difficile, allez. On va le tenter, par contre. Mec, on va se ridiculiser. As oui, ça va être terrible. On a vécu quelques années en anglais. Comment il s'appelle? Il s'appelle Chevalier Debers V2. Parce qu'il y a un mec qui a déjà pris son pseudo apparemment. Color Ambre. Amber. Fine 3. Ça me dit que j'ai triché. Ah oui, si tu fais un alt-tab, tu triches. Rose saumon, bah rose. Salmon pink. Bon, alors, par contre, ça c'est pas difficile. Hein, ouais. Je veux dire, pour l'instant, c'est pas très dur quoi. Attention, là ça va être trop compliqué. Navy, mais c'est bleu ciel, bleu club, bleu marine, pardon. C'est quoi, c'est que des couleurs? C'est couleur anglais difficile ou? C'est pas insane. Surtout que c'est assez évident là pour le coup. Encore une petite couleur peut-être. Et le jeu a bugué. Attention. Right, man, Jackie Chan. Anglais difficile, hein, bien sûr. I don't know, mais toutes les réponses sont ok, tu sais. Maybe in the best. En vrai, toutes les réponses sont ok. C'est juste une référence en fait. Mais bon. Du coup, c'est pas anglais difficile, c'est Gad Elmaleh facile. Quoi. C'est Gad Elmaleh facile, c'est pas. Bordeaux. Burgundy. Ah ouais? Ah, la couleur Bordeaux, j'ai cru que c'était la ville. Je suis en mode. Ah ouais? Pas du tout. Et en plus, Burgundy, c'est la Bourgogne normalement, donc. Je n'ai pas compris. C'est pas grave. Et on va peut-être faire un perfect, mec. 6 si points pour Gryffondor. J'ai perdu une seconde. C'était hoche. J'ai perdu une seconde là-dessus. Allez, une dernière peut-être. Bon, il a perdu, il a abandonné. Hein. Il joue encore. Joue. 20 minutes. Minus 11, c'est 9. Bah. 21. Ah! On l'a pas lu, 21, c'est 10.
On l'a pas lu, le one, on l'a pas lu. J'ai lu. Alors on part sur maths facile maintenant parce qu'on en a besoin apparemment. Mais non, mais j'ai lu 20 moins 9, ça va. Moins 11. Marvel, c'est chaud. Dieux anciens. Culture générale. Petite culture générale. Classico. Défiez-nous en jeu de société, les gars. Comme ça, on va voir un peu. Jeu de société. Comme ça, il pourra nous souffler sur le canapé. Là. Énorme. Donc là, on va faire un petit culture générale avec Chap. Avec Remtech. Kelvin n'est pas. Une cité éteinte. Ah bah c'est Hanoï alors. Hanoï. Je croyais que Singapour c'était plus grand que ouais. Juste. Ok, ouais. My bad, c'est ma faute. Je sais pas. Ça doit être ça. L'amour en quatrième vitesse, mec. Non, mec, c'est trop cheap. 100%. Ouais, mais palalalala. Palalalala. Lequel de ces parcs Disney a ouvert en premier? Disney World. Disneyland. Ah, ok, c'est my bad. Je vais trop vite en fait. C'est là, prends la souris, tu m'as saoulé. Enfin, je me suis saoulé. On peut rattraper. Ça va pas être facile, c'est une question trop dure. Illinois. Faut j'avais pas la réponse. Non, mais quand t'as pas la réponse, faut tenter un truc au pif vite. Oui, New Jersey, c'est. Le New Jersey. Culture générale, zéro déjà, hein, on est nul. Hein, bon. Quelle maladie est causée par une inflammation de l'embryon dans rien. J'aurais dû écouter dès le début. J'étais en mode. Peut-être. On peut rattraper encore, on peut. Que fait un tonnerre? Bah des tonneaux. Ouais. Oh il a faux. Il a faux, on peut gagner. Tour bonus. Kenny West. Il a faux, on a gagné. On a gagné sur Kenny West. On a gagné là-dessus. Bon alors il y a masse mecs qui nous ont mis pour le jeu de société. On va prendre le dernier. Non, ça c'était chimie ça. Non, ça c'est Capital. Brian Smith. Voilà, parce que chimie Capital, on n'y est pas encore. Alors, Max Hildan. Là, il a glissé, il a dit. Faut que tu sois sur le qui-vive. Ouais. J'en doute pas. Lettre contre triple. Scrabble. Ah, le bon jeu de société. Bien joué, de merde. Bien joué. Ouais, ça c'est. De base. Jeu de société. Olive, Bavère, je suppose. Olive, vers Olive. Mais c'est, par contre, c'est vraiment c'est des jeux de société des années 30, quoi. J'y jouais quand j'étais né. Alors... Mais putain, on vient de le faire. Bon, c'est de la merde, hein, le quiz jeu de société. Par contre, évite d'être d'avoir fini de lire quand j'en suis à la deuxième phrase, s'il te plaît. C'est méga gênant. Combien de questions? 64, oui. Et en fait, j'ai fait « Oh !» Et après, j'ai vu que les réponses étaient full bullshit, donc c'est bon. Par contre, il a quand même un point d'avance. Hein. Et ça, vous y jouez tout le temps. Mec, il a... Brian Smith, il est trop fort. Il a un point de plus que toi. Hein. J'en sais rien du tout. Il l'avait pas non plus. Si. Ah ouais, non. T'avais my bad. Putain, les derniers tours. Oh putain. Encore une fois, vous avez mis la réponse instant tous les deux. Quoi. Ah, bien joué à toi, Brian Smith. Tu étais fort. Bon, les jeux de société, c'est de la merde. Eclipse TV, on l'a pas... On a fait t'épouse à légende. On a fait juste t'épouse. Tout. Alors on choisit pas qui joue, hein, c'est juste celui qui joue. Oui, c'est joue, ça. Quoi. Voilà, c'est tout. C'est genre on regarde pas trop les pseudos, donc si un mec a déjà fait. Justin TV, Dailymotion. Il est alimenté ce quiz? Non, plus depuis qu'on l'a créé, mais. Donc le lieu de France est situé bon, Bruges. En vrai Bruges, mais bon. Allez, ça va. Allez, c'est la province, quoi. C'est Cambodgien. Bien joué ça. Tour 4. De quelle émission est tirée cette photo? Ah, terrible erreur. Ouais, ça là, pouvait c'était... être les deux. Parce que les deux ans d'éclipse, c'était une éclipse à famille un peu, tu vois. Donc, Paris Games Week. GW. Bon, c'est bon, on est quand même meilleur. Avec Gigi le Coco. En tout cas, Eclipsia. Hein. Oui. Un mec d'Eclipsia, on a vu au garde tout à l'heure. Ah oui, bon alors là on était à là, on en est là, quoi. Ah, il a mis Dash Max Exari. Non, à l'époque que nous ne faisons pas ça. Et le tour bonus. Mais je suis con, c'est 2015. Oui. J'ai mal lu. C'est my bad. Mais c'est pas grave, on a gagné quand même. Bien joué à nous. J'espère bien qu'on a gagné. Alors. Appareil électronique? Allez. Allez, ça part sur un appareil électronique. Quel téléphone est bien trop cher? iPhone. Après, il faut qu'on appelle t'épouse. Faut qu'on appelle t'épouse pour le quiz Belgique. Faut qu'ils viennent pour 2 minutes, tu vois. Oui, appareil électronique business. Quel est cet appareil? Ce sont les Google Glass qui ont été
cut car c'était de la c'était merde. C'était un iPad mini hein, comme il y avait la réponse tout à l'heure. Gagné, merci. Ça c'est quand les mecs trichent en fait, quand, parce que quand tu fais un altab, c'est considéré comme une triche. Du coup, c'est chiant. Alors, la France en carte. On va pas se la tenter celle-là. Ça, c'est chaud. Culture web encore, ça c'est bien ça. Ragnarok Online, mec, on y a joué tous les deux. Après, ça fait trop longtemps, tu vois. Mais... mec, c'est trop dur. C'est... En fait, le problème, c'est que ça, les jeux... y a 85% des gens qui n'ont pas joué, du coup, c'est pas marrant pour eux. Oui, j'avoue. Les drogues. Non, bah, merci, hein. Ah, jeu de société avancé. Avancé. Peut-être. Ah. Et à part, il va te dire quelle lettre fait, machin. Non, partie introuvable. Scrabble. On va redescendre. Il y a Arrow, il t'a proposé Arrow. Après, c'est du spoil aussi, mais. Non, mais Arrow, c'est pareil, c'est une série, c'est pas très intéressant. Blockbuster, peut-être. J'ai pas vu. Ah, oui. Monsieur. Merde. Voilà, il faut sniper un petit peu, faut de la yen. Mettez-nous un peu des. Chansons Disney, c'est non. Parce que c'était trop loin et du coup, ça marche plus là. Ah, ils sont plus dans la room. Les parties sont. Non, parce qu'en gros, c'est en différé. Mais. Hearthstone. Alcoolique. South Park, mec. South Park. On tente South Park, mec. Putain. Vas-y, va chercher tes pouces. Cours. Ok, je vais chercher tes pouces. Vas-y. Tes pouces. Quel domaine internet ? Point.be. Non, il arrive. T'as trop bien, mec. Oh merde, je sais pas! Quel est le nom officiel de l'équipe nationale de Belge? De Belgique, pardon, football belge! Diable Rouge! Non, y'a pas! Bruxelles, Jean-Philippe Ier, Rebaudan! Dépêche-toi! Nice! Rebaudan, bien joué! Enfin, on a perdu 6 points là! C'est énorme! Regarde, attention! T'épouse, hein, qui est à ma gauche, qui est l'indicatif téléphonique de la Belgique? 32. C'était la première réponse et t'as pas réussi! Mais ça va, je rigole, t'inquiète! Laquelle de ces villes est une des 19 communes de Bruxelles? Carbec. Ouais, je l'ai senti au nom. Carbec. Retour à l'école après. Ouais, mais c'est parce que lui, il va trop vite, l'Ofral, il est belge aussi. Ypres. C'était Bruges. Il l'avait pas non plus. C'est pas facile comme question. Mais on est devant. Oui, c'est pas facile comme question. À un point. Ok, la personne de là donc. Non, mais j'ai cliqué vraiment au pif, mais c'est pas du tout en 1900 donc. En fait, c'est 30, non ? Non, c'est 1804. Oh putain, je le pensais moins vieux que ça. Ouais, en 1930, c'était peut-être pas assez. Allez, on peut gagner. Oh mec, un point de plus ! Un point seulement, bien joué. Merci t'épouse. Vous êtes numéro 1 en Belgique, au Royaume-Uni. On est les premiers dans ce quiz. On est les seuls à faire ce quiz. On est les seuls, mais on est premiers. Retour à l'école, viens. Bien joué. Ça, c'est énorme, là, ce qui se passe, hein, par contre. Alcoolique contre Lenny Vibes. Retour à l'école, ça, par contre, je sais pas du tout ce que ça va être. Moi non plus. Ouais! Retour à l'école en CP! Énorme! Ah! Ah oui! Ah, on en est là, les gars! Ah oui! Ah là! Parents, c'était avec un O, non? Ouais. Mais. Retour en maternelle! Retour quand tu avais 3 ans! Eh ben oui! Mec! J'ai ripé. T'en supplie, hein. J'ai ripé. Non, putain, mais du coup, on a perdu, j'ai ripé là-dessus. Tu me manques. À messieurs. Mais... j'ai vu Miss Me, je croyais pas qu'il y avait une erreur. Il a fait pareil, en plus. J'ai dit avant la réponse, putain. Bah oui. Ah. Bah, ça, c'est bon. Ça, c'est pour nous, ça. Non, mais c'est bon, les gars, j'ai juste cliqué à côté. Vous êtes sérieux, putain, vous êtes les pires. J'ai zéro excuse, j'ai fait la merde. Second publicitaire, ça c'est marrant. Nul à mort. Mais mec, j'ai dit I miss you, je vois you miss me et je marque. Mais mec, t'as eu raison de tenter, hein, c'est ça la vie, hein, il faut tenter des trucs. Hein, dans la vie. Fils de pute. Alors non, mais c'est bien joué à toi. Bigard. La star du steak caché, c'est Bigard. Ah ouais? Ouais.
J'ai Fullerine. Oui, je suis une grosse. C'est le nom publicitaire. Haribo, c'est beau la vie. Pour les grands et les petits. Oui, bien joué. Retourne à la maternelle. Bah, en vrai, c'était retourne à la maternelle. C'est pas parce que j'ai été nul que voilà. Pour son grand qui est numéro 1 de la chaussure sur internet, Zalando. Sarenza.com. Sarenza.com. Oui, c'est Sarenza. Zalando, ils font quoi? Pareil, je crois. Complété, Actifed, la vie continue pas. Le rhume. Eh oui, non. Ok. Retour au jardin d'enfants. Retour celui qui sait pas faire 8 x 4. Couscous Garbi, c'est bon. C'est bon comme là-bas. Couscous Arbitre, c'est bon comme là-bas. C'est bon comme du bon pain. C'est bon, mais ça pique. C'est la grosse merde. C'est bon, mais c'est chaud. La grosse merde. Non, mais il y a une pub aussi comme ça. Et si on prenait l'apéritif plus souvent? Voilà. Et le perfect, mec. Si on a encore 20, on a le perfect. Je dédicace ça. Je dédicace ça à t'épouse. La vie, la chèque vert. NTM! Putain! On a gagné. Petite merde, quoi, c'est ce que t'es au final. Hein. Ouais, c'est ce que je suis. T'as réussi à rater, je l'aurais pas non plus, mais bon. Logo, c'est logo. Toi qui joues, quoi. Logo, c'est bien, logo, c'est bien. Ah. Vas-y. Charade après. Charade, c'est de la grosse merde, ça, par contre, désolé. Comment tu connais tout ça quand t'avais pas la télé? Bah, parce que je désactive Adblock sur Eclipsia. C'est le mec, hein. Twitter! J'ai failli mettre Storyfy. Il est trop fort, Jérémy. Diaspora. Sexe, amour. Il est trop fort, Jérémy, mais c'était Twitter. Oui, c'était HR en fait. Voilà, c'est ça. Je ne connais pas cette marque, mais c'est HR. Quoi. Visa. Il est très fort, Jérémy Mardoch. Il laisse pas un seul point à notre adversaire. Enfin, à nous, quoi. À son adversaire. Lint, ouais. On a été tellement long. Ouais, c'était pas parce qu'en facile, fait, ça pouvait juste pas être les autres en fait. Ouais, c'est ça. Mais Lint, le logo, tu le connais pas quoi. Je sais pas. Linkin Park. En fait, je prenais que tu savais pas, donc j'ai cliqué au pif. Parce que tu l'as pas dit il y a instant en fait. C'était HQ. C'est Sport. Ah non, c'est 2K. Oh, on est des cons. Eh non. Enfin, je suis un con. Pardon. J'avoue. Vance. Ouais, mais bon. Ah, du coup, il était trop bon. Attends, ouais. on refait ce quiz là. Tu veux le refaire? Ça m'a saoulé, on le refait. Mais il fallait en faire, on y va, non? Non, je l'ai vu, il est là. Comme ça, on fait un autre mec. Ok. J'ai été nul, c'est ma faute. Non, mais en vrai, les pubs, il y en a partout, il n'y en a pas que à la télé, tu vois. Et je connais les slogans. Aïe. Par contre, est-ce que vous ne devinerez jamais quoi? Le dab arrive dans FIFA 17. Oui. C'est écrit Moubot qui balance ça dans le chat, hein. Il est important de le rappeler. Que le dab arrive dans FIFA 17. C'est Sprite. C'est décidé sur Paint, ça merde. Non, je pense que c'est fait exprès justement pour essayer de nous brûler. Tel Dungeon Gabbana, Dungeon Gabbana, Dungeon Gabbana, Dungeon Gabbana. On lui met déjà 2 points dans la vie. Ok. DC Shoes. Et c'est Hurley. Ah, mais tu savais? Mais c'est pas DC Shoes, ça c'est sûr. Ça fait un T et un C, tu vois, je sais pas. Non, mais pas con. Ah, ça c'est Hurley. C'est Bentley alors. C'est pas Hurley, c'est Bentley. Donc, ah, là on peut encore gagner. Mais il le sait, mais putain, il sait que c'est Betty. Il sait que c'est Betty Crocker, quoi, il est trop fort, mais. Bon, moi il a gagné. Ah, si, on peut le rattraper encore. Numbuzz. Ah, ok, il était fort. Numbuzz 2000. Mec, il a eu que 3 points de perdu, il était fort. C'était grave bien essayé. Super héros. donc déjà, commence. Zerator. A commencer par le titre. Alors de ce là, Zerator, mon gars, ça doit être trop chaud. Hein. Zerator. En quelle année a-t-il commencé de streamer? À quelle heure? Dans sa prog actuelle? C'est genre. C'est ça. On va voir. Hein. Qui sort souvent du Nether? C'est. Non, ça est pire. Je suis con. J'ai mis moi parce que c'était. C'est toi quoi? C'est moi quoi. Je sors jamais du Nether. Je suis jamais dans le Nether moi. Juice. Bon là. Non, DFG, tu sais, imagine. Bah, il est portugais. Oui, non, mais DFG comme prénom, tu vois. Ah oui. Mais enfin, bref. Paladin! Paladin! Après, Juice, c'est pas son prénom non plus, hein, c'est Giuseppe. Ouais. Joseph, en français, en fait. Mister NV. Ah oui, ZTV, quoi. On en est à la ZTV, donc ouais. C'est quand même il y a longtemps, hein, les gars. Non, ça fait plaisir. Je sais pas, Warzy. Ok. Il joue à Warzy? Je sais même pas, tu vois. Un quadruple incroyable. Incroyable! Ça doit être une VOD, trop bien, tu vois. Les cochons de prout. Oh
putain, mais quelle idée aussi, Zera. Casse les couilles aussi. Ah, mais c'est trop facile, il va l'avoir, il va l'avoir. Oh non, il l'a pas, on a gagné. Comment il a réussi à le rater? Eh ben, GG. Peut-être qu'il a ripé comme toi, en fait. GG, on a... Oui, ça se trouve. Possible, hein. Alors, le drapeau, Harry Potter, South Park. Kenny France. Quoi? C'est vrai qu'il vient de faire le quiz. Aucun rapport avec moi. Mais lui, il vient de faire le quiz, en fait. Il vient de le créer, en fait. Mais du coup, il connaît toutes les réponses, donc c'est de la merde. Morgan Sanchez, en fait, c'est Guillaume Chassez, pardon, t'as joué contre lui, oui. En plus. Comment Kenny revit? Ah ouais. Ah, mais non, c'est le vrai Kenny, en fait. Oui. Ah merde, c'est pas... Kenny et aussi... Oh non, mais mec, NTM. Mysterion. C'est Mysterion, mais ça m'a saoulé, il y a trop de fautes. Ouais, non, mais attends, une dernière réponse. Mec, il y a trop de fautes. Il y a trois mots, il va faire une faute. On fait un vrai South Park. Kenny okay. Et... non, c'est de la chance. Quitte. C'est de la chance, il a dit. Hop, voilà, erreur, vous avez triché. Voilà. C'était quoi ça? Non mais. On a vécu une expérience formidable là. Gros, on va faire un vrai South Park si vous voulez faire un South Park, mais. Ouais. Kenny français, gros. J'adore. Le Coon et sa bande. Le Coon. Il attaqua la face bouffie de la méchante. Je sais pas. Let's go. J'ai vu Kenny, j'ai cliqué quoi. Je l'avais pas. Je sais pas. Après, mec, les deux trois dernières saisons, je les ai pas regardées, donc. Moi c'est non chiant. Plus. Pour ah, ça, je sais ça. Kenny West. C'est Kenny West. Kenny West. Qui devient un poisson. Ouais, parce qu'il est pédé comme une. Eh? Je sais plus ce qu'il dit. C'est genre, il est pédé comme. T'aimes les bitonnets de poisson? Oui. Quel est le nom de World of Warcraft? Ah, salut. Noi. Salut. C'est saleté. Non, il était trop bien cet épisode sur World of Warcraft. Ah! Donc là, la 17ème saison, mon pote, je l'ai pas vu, je me suis arrêté à la 14. Moi, la 10ème. 14, ok. Ben, c'est trop bien. En vrai, il faut que je m'y remette, c'est les 3. Là, j'ai. En fait, ouais. Comment s'appelait le sauna où on va. White Swallow. Oui, parce que. C'est dégueulasse. Oui. Il y a Ramtech qui est fort. Hein. Bah, Kenny West. C'est le même, oui. C'est le même épisode. Par contre, c'est la 17ème saison. Ah, hein? Bah c'est peut-être qu'il revient en fait. Il revient. Ah, c'est un spoil, je déteste les spoils. Mec, on gagne là pour l'instant. Oui. Ça sur Twitch. C'est parce qu'il est juif. Pas de problème. Oui, c'est. Désolé d'ailleurs. J'avoue qu'on vient de lâcher ça sur Twitch. Eh, on a gagné. Attends, par contre, j'ai vu un quiz vraiment marrant là. Mec, c'est terrible, hein. Non. Voilà. Ça. Enfant des 90s. Enfant des 90s. Non, mais ça va être des acteurs. Non, ou mais des ça gens. Va être genre. Non, je pense que ça va être. On joue avec un Tamagotchi, des trucs comme ça, tu vois. Ah, ok. Tu vois, il y a un Tamagotchi. Scary Movie. Je lisais le chat, pardon. Non, il n'y a pas de soucis, en gros. Attends, peut-être que j'ai des questions quand même, parce que c'est ce que je faisais à la base. Hein. Parce qu'en 2001, quel film avec Vin Diesel et Paul Walker a donné lieu au franchise cinématographique qui a sorti son 7ème volet en 2015, Fast and Furious. Oui. Mec, on est fort. On est meilleur que Skazobolis. Quel animal est Franklin, tortue. Un héros d'un dessin animé qui nous apprend à chaque épisode qu'il sait lacer ses chaussures? C'est une tortue, c'est exact, il est vert, carapace, beige. Et il sait faire ses lacets alors qu'il a pas de lacets à ses chaussures. Exact, c'est ça qui est drôle. Oui. YouTube FR apprend fait. Laquelle de ses personnalités n'avait pas de marionnette? Le représentant dans l'émission Jeunesse, les Minicums. Eric Cantona. Je me suis dit, putain, Josiane Balasco, je pensais pas, tu vois. Compléter les paroles de la chanson d'Asia. Elle est à toi, elle est à toi, mais sache que tu la perdras si tu ne la veux pas. Si tu la laisses planter là. Si tu la laisses planter là. Non, c'est pas ça du tout. Lara Croft Tomb Raider. Si tu la laisses planter là. Non, Kelly, c'est chiant quand tu dis. Mais c'est pas pour toi, petit bolo qui est sur le chat. C'est pour les gens qui peut-être regardent l'émission sans nécessairement la regarder, mais nécessairement l'écouter. Tu vois, ils n'ont peut-être pas le debout temps. Debout les zouzous. Et faire autre chose. Ouais. Donc ton nombril n'est pas celui du monde. Félicitations, vous êtes parmi les 10 meilleurs. Joué. On est parmi les 10 meilleurs. Bravo à nous. Alors, est-ce qu'on fait une petite, un petit truc Xari ou pas? Il y a un truc Xari. Quoi? Tu savais qu'il existait ce truc? Oui, on l'a déjà fait. On l'a déjà fait. Il y a perpète. Mais il n'a pas été. Il y a genre 12 questions, donc. Tout le temps les mêmes questions, mais bon. Ah, ok. Ah! Ah!
Vas-y, laisse-moi répondre. Mec, on va voir si je suis ton vrai ami, mec. Pas avoir que je connais. Mais ça, mec. Regarde des trucs. Attends, ça a été l'air, mais en 2012, quoi. Les boulesses. Les boulesses. Par contre, Hugo Marshall Duval, il est nul, hein. Il me connaît pas, hein. Il est fou, nul. Mais les gens, ouais. Ouais, aide-moi. Exact. Ah ouais, c'est celle qui a fait la plus de vues d'ailleurs. C'est ma préférée. Allez, ouais, Inès. Je les ai même pas toutes vues. Waouh. Eh oui, quand il s'ennuyait étant ado. Adolescent. Sans, sans, sans. Adolescent, sans, sans, sans. Non, non, c'était déjà à l'époque. Ok. Bah, 0 à 94, hein, félicitations. S'il a pas joué, tout simplement. Moi, GG. Alors, espèce en danger. Bon, ça, c'est. Ah, YouTube français, on avait dit qu'on ferait. Oui, ça, c'est bien ça. Le YouTube français. On est contre Corentin Chevalier qui est là, je suppose. Hein ouais, non, mais t'inquiète, on a l'heure, on a l'heure. Hein. Non, mais pas de sous, mon pote, hein, t'inquiète pas. Qui était. Monsieur Dream. Bah, Monsieur Dream. En fait, c'est pas en vrai, c'est Monsieur Dream, mais ça s'appelait MR Dream, oui. Ce qui veut dire Mister Dream normalement. Et ça, ça m'a saoulé. Mais bon, c'est bref. En allemand ? Normalement, j'ai dit. Rémi Gaillard. Rémi Gaille. En allemand, Mister Dream. Normalement, j'ai dit. Ah, ok, d'accord. Parce que MR, normalement, c'est. Oui, c'est Monsieur. C'est Mister, justement. Compléter la devise, c'est en faisant n'importe quoi, qu'on devient n'importe qui. Bon, on vient d'avoir la question, mais il n'y a pas de chance. Deux fois la même question d'affilée, c'est bien joué ça. Merde. Jurassic Park. Par contre, Jurassic Park. Les derniers ne lis pas, ne lis plus. C'est pas ça. Hein. C'est normal. Mal en Russie. Oh mec, ça c'est chaud, putain. Là, c'est chaud dans le sens que les questions, quoi, putain. C'est pas ouf. Quel est ton ancien métier de netto ? Policier. Exact. Et là, on a gagné, les gars. On a gagné, il suffit de répondre juste à cette question qui est. Mathieu Sommet. Non, je pense que c'est bien du genre à être un peu contre ce genre de truc où la télé remercie lui. C'est pour ça que je dis ça. J'en savais rien en vrai. Allez, un petit dernier. Un petit dernier, un truc non, un on peu... a le temps de faire encore un en fait. On a le temps de un. Donc Zary choisit bien puisque c'est. Maître Gims. Non, c'est trop chaud, mec, Maître Gims en vrai. Lol, je rigolais. Namur. Sur Namur. YouTube FR. On l'a déjà fait. Sex. Mec, il va y avoir une tub qui va apparaître, je t'en supplie. Non, 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 impossible, mec, c'est quand même un truc pour les jeunes. Hein. Ouais. Mais gros, vous êtes sérieux ? Alors, est-ce que déjà ça c'est. Bon, ok, on quitte. On sait jamais. Ouais, ça va, c'est un livre de SVT. Ouais, sur un livre de SVT, il y a ça. On a perdu. Ouais, mais on sait jamais. Twitch, okay, ils sont. Okay, okay. Tac ! Tu vois, genre, ils ont raison. Et bah pour finir ce song title. Non, pour finir, on va faire une culture G, mais contre un random. Contre un random. Contre un mec qu'on va éclater vraiment... bien sûr, puisque nous sommes forts. Allez, culture G pour terminer. Godofus, non mais gros. Pas oui, j'avoue. Il connaît la coiffe douce et la coiffe bouffe. Pas nos prespics là, elle m'a saoulé. Là. Allez, c'est le dernier test. On se doit de le gagner, mais après il est débutant en chronologie hongkongais. Donc c'est chaud. Quel jeu Wii Sport. Et ouais, oui, ça c'est le pack de base. Pack de base. Et c'est le jeu le plus vendu du coup. Bah forcément. Eh oui. Quel était le métier d'Auguste Escoffier ? Eh oui, c'est un restaurant. C'est pas grave. Tu connais pas. C'est pas. Il y a pas de. Le Fatus Day. Oh, putain, il est fort. Hein. Il est fort, Will. Hein. Il est c'est fort. Une il me laisse traduction pas. Littérale. Mais tu as fait ou pas. Tu le savais ? Non, je le savais. C'est pas une star du rock. Je suis un fils de pute. J'hésitais en fait, mais je suis un gros con. Ouais, c'est plus on va grunge, la perdre, on va la perdre. Je sais pas, j'en sais pas. J'en sais rien, mec. Mais ça, c'est de la culture générale d'américain, tu vois ce que je veux dire. C'est juste que les questions sont traduites. Les choux. C'est américain, ça aussi. Non, ça, c'est une comptine. Savez-vous planter les choux? Non, je sais, mais je me demande si les américains ont ça aussi, tu vois. Oui, je pense que oui. Un match de football. Oui. Oui. Et en fait, il y a eu un match de football. Ils sont full vénères et paf, ça fait une guerre et qu'on appelle la guerre du football. Et il nous a enculé, bien joué à toi Will, qui nous a mis qui nous a défense. Actuellement, il est 54. Bah merci de me féliciter, je te remercie. Nous allons on refera ça peut-être une fois dans la semaine. On fera ça plus dynamiquement.
Voilà, parce qu'il y a quand même quelqu'un, Guillaume Chanté, qui dit « J'ai quitte, c'est de la merde ». Non, merde, c'était pour le Kenny français tout à l'heure, tu te souviens, c'était lui qui jouait contre nous. C'était assez marrant. On fera ça peut-être avec toi contre moi, parce qu'on peut s'affronter. Toi, tu es par exemple sur téléphone. Ah, mais tu vas me def, mec, tu lis trop vite, toi. Non, mais on sur des thèmes qui changent. Genre Kenny dans le streaming, son parcours, oui, voilà. Sans histoire. Voilà, c'est ça. Exact. Merci à tous d'avoir suivi cette émission, les amis. On va se retrouver dans 5 petites minutes pour une petite émission avec Max Hildan, Xari, Hailey et un invité. A tout de suite, publicité et argent sur nous. À toutes.